Mais aujourd'hui, on va se salir un peu mieux. Salut, moi c'est Pascal et bienvenue à cette 25e capsule de formation pour t'aider lors de ta prochaine aventure. Et aujourd'hui, je me décide enfin à faire cette vidéo parce que vous avez été vraiment plusieurs à me la demander. Comment faire l'entretien de son vélo et tout particulièrement en voyage? Ben oui, parce que comme tout ce qui est mécanique, un vélo, ça demande sa petite dose d'entretien une fois de temps en temps. Mais quand même, faites-en pas avec ça, il n'y a rien de vraiment sorcier avec un vélo. Quand je suis parti faire ma traversée du Japon en vélo, j'avais pratiquement aucune expérience en entretien de vélo. Dans le temps, je travaillais plusieurs heures par semaine, alors je voulais juste pas perdre de temps avec ça et je confiais mon vélo à des professionnels pour le faire réparer. J'ai été chanceux, j'ai jamais vraiment eu de problème avec mon vélo pendant mes voyages. Mais je suis quand même parti avec quelques notions. Le premier conseil que je vais te donner aujourd'hui, c'est de faire exactement le contraire de ce que je faisais dans le temps. Depuis le début de l'année, j'ai pris la résolution de réparer mon vélo moi-même plutôt que de le confier à un professionnel. Ce faisant, je deviendrai moi-même un professionnel un jour. Regarde des vidéos sur Internet quand t'en as besoin et tu te rendras compte qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment compliqué. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai commencé à faire des vidéos sur la mécanique de vélo sur mon autre chaîne YouTube et tu peux les regarder juste ici. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais c'est une bibliothèque qui va grandir avec le temps. Donc, conseil numéro 1, à partir d'aujourd'hui, donne-toi le défi de faire tous les entretiens de ton vélo toi-même. Oui, ça va être plus long au début et tu vas sûrement avoir tes petites doses de frustration, mais en plus de sauver de l'argent, tu vas apprendre plein de choses sur ton vélo. Bon, maintenant que ceci dit, on va quand même voir quelques bases. Premier élément auquel tu vas vouloir porter la plus grande attention, c'est tes pneus. Ben oui, parce que de tout ton vélo, c'est probablement l'élément qui a le plus grand impact sur ta performance. Parce que c'est le seul qui touche au sol. Plus ton pneu est capable de prendre de pression, plus j'ai remarqué qu'il fallait le regonfler régulièrement. Sur mon vélo cross-country, je tiens ça entre 35 et 85 livres, dépendamment de ce que je vais faire avec. Soit entre 2,5 et 6 bars. Ben oui, pour ça aussi, au Canada, on utilise le système impérial. Mais bon, mon cross-country, je le regonfle environ une fois par mois. Ou deux. Mais sur mon vélo de route, que je gonfle toujours à 125 livres, j'ai remarqué que l'air a tendance à s'enfuir plus rapidement. Alors, je le regonfle toujours après un maximum de 3 jours. Pour ton vélo, regarde sur ton pneu, tu vas retrouver la recommandation du manufacturier pour savoir quelle pression lui donner. Dans mon cas, je gonfle presque toujours au maximum. Avec plus de pression, oui, tu vas plus ressentir les imperfections de la route, mais tu vas avoir beaucoup moins de friction au sol, alors chaque coup de pédale va t'amener un peu plus loin. Par contre, si tu conduis dans la gravelle, la terre ou hors des sentiers battus, tu veux le moins de pression possible pour avoir plus d'adhérence. Alors, gonfle tes pneus régulièrement pour toujours garder la bonne pression. Ben oui, à la maison, c'est facile, t'as sûrement une belle grosse pompe qui t'indique la pression qu'il y a dans tes pneus, mais comment est-ce que tu fais en voyage? Tu sais, les articles de qualité, j'aime ça. Alors, je trouve toujours ce qui se fait de mieux. Ma pompe de voyage, c'est une Lesine. Elle peut à la fois gonfler les valves Presta et Schrader. Elle a même un petit pied qui se replie pour que tu puisses la déposer par terre et pomper comme il faut. Et le plus beau, c'est qu'elle a un cadran intégré dans le boyau pour t'indiquer la pression. Et encore mieux, le cadran indique la pression en PSI et en bar pour que tu puisses t'y retrouver peu importe de quel côté de l'océan tu viens. Regarde dans la description en dessous de la vidéo, je vais te laisser un lien pour que tu puisses la commander. La deuxième chose que tu vas avoir à faire régulièrement sur ton vélo, c'est un entretien de ta chaîne. J'en fais un à tous les 100 à 150 km ou juste après une bonne grosse journée de vélo. Bah, dis-le pas à personne, mais des fois je suis paresseux et je laisse traîner ça beaucoup plus longtemps. Rien de très compliqué, ça te prend de l'huile à chaîne et une guenille. Applique de l'huile sur ta chaîne en la faisant tourner à l'envers, attends une minute pour laisser pénétrer et nettoie avec la guenille.
pendant que tu es là, tu peux aussi en profiter pour enlever toute la crasse qui s'est ramassée autour de ton dérailleur. Oui, c'est possible de faire beaucoup mieux avec des brosses et des liquides spéciaux, mais pour moi, ça me suffit. Dans mes voyages à vélo, je le fais à chaque jour ou deux quand je suis paresseux. Bon, OK. Des fois, je me rends même à trois jours. Parlant de chaîne, en voyage, j'entraîne toujours une de spare, de rechange, juste au cas où. Mais là, peut-être que tu me fais des gros yeux parce que tu n'as aucune idée de comment on fait ça, mais c'est ce qui est génial avec un vélo. Il n'y a aucune mécanique qui est vraiment compliquée quand tu prends le temps de regarder comment ça fonctionne. Et quand je te disais plus tôt de faire ta mécanique de vélo toi-même, eh bien, de faire une grande aventure loin de chez toi, seul, ben ça va te forcer en quelque sorte, quand tu vas avoir un problème, à te creuser un peu la tête, à regarder comment ton vélo fonctionne et trouver une solution à ton problème toi-même. Ça va te forcer à te débrouiller et d'être fier de toi. À un certain point, si tu as des freins à patins, tu vas devoir les remplacer parce que ça s'use rapidement, surtout quand tu es chargé et encore plus quand il pleut. Alors, à la grosseur et au poids que ça fait, j'en ai toujours sur moi. Et ça, c'est vraiment très simple. On n'a même pas besoin d'en parler. Regarde comment c'est fait. Tu vas comprendre assez vite. À un certain point, si tu es sur une très grande aventure, tu vas avoir besoin de changer de pneus. Parce que contrairement à une voiture, tu ne feras pas 60 000 km avec. Là, par contre, encombre-toi pas de ça. Quand tu seras rendu à devoir changer de pneus, trouve-toi un magasin de vélo et tu changeras rendu là. Libre à toi de leur demander de faire le changement à ta place ou de le faire toi-même. Par contre, même si je ne pars pas avec des pneus de rechange sur une grande aventure, je pars toujours avec des tubes de rechange. 2. J'ai toujours été chanceux en voyage, j'en ai jamais eu besoin, mais mieux vaut entraîner pour rien que de ne pas en avoir quand t'en as besoin. Tu connais la loi de Murphy? Prépare-toi à un problème et t'en auras pas. Par contre, si t'es pas prêt à y faire face, c'est sûr que tu vas avoir un problème. Alors, pour être vraiment prêt à faire face à une quantité incroyable de crevaisons, j'ai toujours mes deux tubes et des patchs pour les pneus et les tubes, si ça va vraiment pas bien. Dans ce genre de petit kit-là, tu vas retrouver de la colle, des patchs pour mettre sur ton pneu et il est parti. Mais un papier sablé pour bien nettoyer ton pneu. Dans le cas de celui pour les tubes, ben, c'est la même chose, mais en plus petit et sont déjà précollés. Donc, tu as un petit papier sablé pour nettoyer ton tube et tu as des patchs pour mettre sur ton tube. Si tu as besoin de changer un tube ou un pneu, tu peux regarder ma vidéo en haut à droite. En plus des tubes et de la pompe qu'on a déjà vu, je te recommande d'avoir des petits leviers. Ça va vraiment te simplifier la vie quand tu vas vouloir remplacer ton tube ou ton pneu. Une autre chose avec laquelle tu peux te familiariser rapidement, c'est les ajustements de ton pédalier et de ton dérailleur. C'est pas très compliqué non plus. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus, elle est disponible en haut à droite. Mais bref, tu as deux vis sur ton dérailleur. Celle de droite qui ajuste la limite de déplacement à droite et celle de gauche qui ajuste la limite de déplacement à gauche. La roulette juste à côté sert à indexer tes vitesses. C'est ce qui va déterminer la distance que ton dérailleur va parcourir entre chaque changement de vitesse. C'est tout. Je l'ai fait pour la première fois, voilà pas si longtemps, et en 15 minutes, j'en suis venu à bout. Enfin, il y a un autre petit outil que tu veux avoir avec toi, mais celui-là, tu veux vraiment pas avoir à t'en servir. Ça te permet d'ajuster les rayons de ta roue. Alors, si ta roue crochit suite à un accident, avec ça, tu peux la réparer du mieux que tu peux. En gros, quand tu regardes tes rayons, ils vont de droite à gauche sur ta roue. Alors, en gros, si la roue croche un peu par là, bien, je vais vouloir visser celle-là pour ramener la roue et lousser celui-là pour réduire la tension pour la laisser revenir. Mais bon, ça... Si tu t'aventures là-dedans et que tu
n'as jamais fait ça, ben, tu risques d'endommager ta roue plus qu'elle ne l'est déjà. Mais bon, quand tu n'as pas le choix, mets ton vélo à l'envers et utilise tes freins comme guide de distance. Comme ça, quand ta roue elle va tourner, tu vas voir quand est-ce qu'il y a une petite déviation. Et ben, fais du mieux que tu peux. Il y a quand même certaines choses qui demandent beaucoup d'expérience pour arriver à bien les faire. Mais de toute façon, rendu là, le but, ça va être de régler ta roue le mieux possible pour que tu sois capable de rouler jusqu'à un prochain magasin de vélo pour t'en acheter une autre ou la faire réparer par un professionnel. La seule fois que j'ai réparé une roue de vélo, je faisais du vélo de montagne avec un ami et je ne sais pas dans quoi il s'est planté, mais sa roue était complètement déformée après l'impact. J'ai pris la roue et je l'ai frappée par terre. Je ne peux pas aller plus haut parce qu'il y a un plafond, mais je l'ai frappé vraiment très fort par terre à plusieurs reprises jusqu'à temps que la roue soit le moins croche possible. Ça lui a permis de rentrer chez eux sur son vélo plutôt que de marcher à côté. Et marcher à côté de ton vélo avec un vélo touring très très lourd, tu veux vraiment pas ça. Mais bon, si tout va bien, tout ce que tu vas avoir à faire, c'est de huiler ta chaîne et gonfler tes pneus. En voyage, je nettoie pratiquement jamais mon vélo. Plus il est sale, moins il est intéressant à voler. À la maison, par contre, je le lave plus régulièrement, soit avec de l'eau savonneuse ou du WD-40. Oui, c'est très controversé, mais le WD-40, ça rend le vélo tellement propre. Il fait juste pas oublier de le rincer après. Enfin, les autres outils que j'ai toujours avec moi sur un voyage à vélo, c'est un petit kit de clé à lune et de tournevis pour vélo. Ça va te permettre de faire à peu près tous les ajustements qu'il y a à faire sur un vélo. Mais finalement, un autre outil que je me passe jamais, c'est mon Leatherman Charge TTI. C'est à peu près tous les outils que tu peux avoir besoin au fond de ta poche ou dans un sac. C'est pas donné. Mais tu vas l'avoir pour le restant de ta vie, alors c'est un tout petit investissement. Je te laisse le lien pour te le commander dans la description. Enfin voilà, c'était pas une grosse capsule, mais elle est complémentaire à d'autres vidéos que je te suggère vivement de regarder avant une grande aventure à vélo. Juste ici. L'entretien d'un vélo en voyage semble en inquiéter plus d'un, mais comme tu as pu le voir, c'est pas vraiment compliqué. J'espère que ça va t'aider. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce en l'air et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Fais attention à toi et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo.